Bonjour, je suis Cécile Coulon, j'adore raconter des histoires et aujourd'hui, je vais raconter celle de Seul en sa demeure, mon dernier roman, paru en poche. L'histoire commence dans une grande maison au cœur du Jura, au cœur de la forêt. C'est l'histoire d'Aimé qui est mariée à Candre. Ce mariage, c'est surtout des épousailles avec un endroit, avec un château qui est entouré par les bois. C'est un endroit qui fait peur, une sorte de prison de feuillage, de verdure. Pour raconter ce lieu, j'ai utilisé plusieurs choses. J'ai d'abord utilisé un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Les Ardennes de Robin Prant, où il y a de très très grands plans sur la forêt des Ardennes. J'ai utilisé toute l'ambiance du film de Hitchcock, Rebecca, évidemment, tirée du livre qui est aussi une très très grande inspiration pour mon histoire. Et j'ai utilisé ce que moi je connais de l'Allier, où j'ai un petit chalet au milieu des bois, dans la montagne bourbonnaise, qui est un endroit l'hiver qui est très vert, très noir et bleuté. Et je voulais vraiment cette atmosphère pour l'arrivée d'Aimé dans la nouvelle maison de son mari. Je voulais que le lecteur se sente un petit peu ahuri et emprisonné aux côtés d'Aimé, qu'il ait les mêmes sensation que cette héroïne en se disant « Je sais que j'arrive dans un endroit d'où je ne pourrais pas sortir, je sais que j'arrive dans une étrangeté qui va durer très longtemps. » J'avais envie qu'on se sente prisonnier et intérieurement bouleversé et époustouflé. Quand j'ai commencé à penser l'histoire de Seul en sa demeure, j'ai voulu que ça se passe très exactement à la fin du 19e siècle, puisque c'est vraiment un tournant charnière dans l'histoire des femmes, dans l'histoire de l'Europe, dans l'histoire de la France, pour des raisons politiques, sociales, pour des raisons d'industrialisation importantes. Je voulais que cette histoire, ce soit l'histoire d'une femme dans un milieu rural, dans un milieu coupé de tout, qui va, dans son mariage, qui est quand même un mariage forcé, apprendre à trouver la place qui est la sienne, et pas qui est la sienne en tant qu'épouse, qui est la sienne en tant que femme libre. Et pour moi, l'important, c'était de dire, dans l'enclos de ce mariage au milieu des bois, elle va quand même trouver des ressources et une force pour faire ce qu'elle a envie de faire. C'est-à-dire que aimer, c'est quelqu'un qui doit normalement être une maîtresse de maison. Or, dès le départ, quand elle arrive dans le domaine de son époux, elle n'est jamais la maîtresse de maison. Elle est tout sauf cela. Et je pense que tout le livre, en dehors de l'intrigue quasi policière, tourne autour de la façon dont Aimé grandit à l'intérieur de cette maison, de cette forêt et de son mariage. Les sources d'inspiration principales pour le personnage féminin, Aimé, Marchère, ce serait évidemment le personnage principal de Rebecca. C'est impossible de parler de Seul en sa demeure sans parler de Rebecca. Je me suis beaucoup aussi inspirée des personnages qu'on peut voir dans Portrait de la jeune fille en feu. Je me suis beaucoup inspirée de toutes les interviews de Marguerite Yourcenar, où elle raconte ce que c'est pour elle d'être une femme et d'être libre en tant que femme. C'est une voix qui diffère de ce qu'on entend aujourd'hui. Je n'aime pas tout ce qui sépare et réduit les êtres à certaines attitudes. Je voudrais qu'une femme ait la liberté d'être aussi femme ou aussi peu femme qu'elle le veut. Évidemment, dans ce mariage forcé avec cet homme, Candre, qui est extrêmement pieux, extrêmement silencieux et très rigoureux, rien ne va se passer comme prévu. Aimé va tout de suite comprendre, dès la troisième nuit de son arrivée, que son mari ne lui plaît pas, qu'elle n'a pas de désir pour lui. Elle l'aime, elle voit que c'est un homme bon, mais elle ne peut pas faire ce qu'on appelle à l'époque le devoir conjugal avec lui, et il va plutôt la laisser tranquille. C'est quelqu'un qui va essayer de se faire aimer par sa femme. Mais en se faisant aimer par sa femme, il va la laisser découvrir la maison, son passé aussi à lui, car il a été marié une première fois, Candre, et on ne sait pas ce qu'est devenue sa femme. Ce mariage va se transformer en enquête de la part d'Aimé. Et c'est comme ça qu'elle va devenir puissante. Le fait de transformer une histoire intime en enquête policière, le livre, ou plutôt la saga qui a été très importante pour moi, c'est celle de Peter May, qui est la trilogie écossaise, alors qui n'a rien à voir avec l'histoire, avec le paysage et avec l'époque, mais qui a été une très grande source d'inspiration, parce que pour moi, la trilogie écossaise, c'est vraiment les trois romans parfaits d'une grande recherche, d'un grand suspense, d'une grande tension, mêlés à des sentiments intimes très forts, à des familles qui se déchirent et à des personnages qui finiront mal, on le sait, mais pourtant on a quand même envie d'aller avec eux. Donc Candre Marchère, voulant faire plaisir à sa femme, va lui faire prendre des cours de musique. Il voit qu'elle s'ennuie dans cet endroit, qu'elle ne connaît personne,
Et une fois par semaine, une jeune femme va venir de Genève lui donner des cours de flûte. Cette jeune femme s'appelle Emmeline l'Héritier. C'est pour le coup, à cette époque, une des rares personnes qui a une vie, qui a un salaire, qui a un travail, parce qu'elle est professeure de musique au conservatoire, pour filles. Elle va venir chaque semaine. Et l'arrivée de cette jeune femme dans ce couple va repousser les limites du mariage, du désir, va apprendre à aimer qu'il y a d'autres femmes qui n'ont pas la même vie qu'elle, et qui va aussi apprendre à aimer ce que c'est que le corps. C'est-à-dire que pendant ses cours de musique, la première chose qu'elle va lui apprendre à faire, c'est se tenir droite, c'est trouver son souffle, c'est trouver sa respiration, c'est muscler son dos, c'est ouvrir sa poitrine. Donc il va y avoir pendant ces 2 heures par semaine d'apprentissage du corps et d'ouverture au désir dans ce cours de musique. Au début, Seul en sa demeure devait s'appeler Jamais un vain désir, qui est un titre un petit peu compliqué, donc qui a été modifié. C'est un morceau qui vient du rondo des Sauvages, qui est un acte de l'opéra baroque Les Indes galantes de Rameau, qui a été vraiment la musique que j'ai écoutée pendant toute l'écriture de ce texte. J'ai toujours été assez époustouflée par la façon dont Rameau est capable de vous emporter dans une aventure presque pittoresque et de mettre beaucoup de violence et beaucoup de vivacité, à la fois très joyeuse et très noire. Et moi, j'avais besoin de ça pour écrire Seul en sa demeure. Quand j'ai terminé d'écrire Seul en sa demeure, je voulais absolument que ce soit un polar mené par le désir d'une femme et d'une héroïne. Et maintenant, vous allez pouvoir le découvrir en librairie, en poche.